Hey, salut les copains et les copines, comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va super bien. Elle a mangé une salade de fruits avant de commencer. Salut les copains et les copines. Ça va bien. Des meubles. Voilà. Qu'est-ce que c'est nul. On voit un pouce bleu, ça fait plaisir. Hey, vidéo combien sec, on est complètement à la rame. Action. Et salut les copains et les copines, comme d'habitude, je suis en présence de Anne. On va te préparer. Ça va pas changer. Pas encore. Donc dans ce nouvel épisode, tu verras du scotch, tu verras du scotch, un crayon, du papier et du scotch encore. Et tu verras des plans. Avant de se lancer, on a décidé de dessiner, de gribouiller des petits trucs sympas pour voir si, si tout ça allait rentrer dans le bus. C'est ce que tu peux voir derrière, on a fait l'implantation en réel. Et tout ça, on va te le montrer dans cet épisode. A toutes! Allez, c'est l'heure de prendre les mensurations du bus, dans ses moindres détails. Voilà, grâce à ces croquis, je vais enfin pouvoir faire les plans détaillés du bus. Accorder un peu de temps parce que normalement on travaille parce qu'il faut bien avancer sur ce projet. Mm-hmm. Ben en fait, pour faire l'implantation de tous les éléments mobiliers, électroménagers, etc., mais en réel, c'est-à-dire que là on va prendre un ruban adhésif et orange en plus. Là il y a beaucoup de contraintes en fait qui sont liées au bus en lui-même, donc tu as des passages de roues que tu peux voir là-bas au fond. Il y a les roues en dessous, donc si tu veux, nous on peut pas les enlever quoi, il n'y a pas possibilité. Non. Voilà, on est au millimètre. Donc. Et là, voilà, chaque millimètre, chaque centimètre et millimètre compte, donc c'est pas un exercice facile, voilà. Et si on te dit ça maintenant, c'est pas que ça nous fait mal, qu'on souffre de ça, c'est juste pour te le partager en fait, c'est juste pour te dire que voilà, c'est pas aussi facile que si t'avais à rénover un appartement ou une grange ou j'en sais rien. Là, c'est un peu plus délicat, voilà, y a des contraintes techniques, voilà. Puis en plus, il est pas carré, donc. En plus, il est pas carré, il y a des arrondis, il y a des formes arrondies un peu partout. Mais bon! C'est peanuts pour nous, c'est peanuts mon gars, on va le faire. Ça t'a stressé un peu, hein. Ah ouais, ça m'a stressé. Donc faites gaffe les amis, si vous voulez lancer là-dedans, préparez les teintures. Allez go. Allez go. C'est bon les amis, on a terminé avec le rideau adhésif. Le ruban adhésif. Bon, je vais te faire apparaître un plan juste à côté de moi, ce qui va te permettre de suivre comme ça, étape par étape. Je vais te faire une petite visite guidée en fait du rez-de-chaussée pour que tu puisses t'imprégner en fait des lieux. On commence par la partie chauffeur. On va pas changer grand chose. Ça nous permettra d'avoir un petit sas pour poser nos chaussures ou nos vestes. Ensuite ici, on va installer une porte d'entrée. Et tout de suite à droite, on aura la cuisine qui commence avec un plan de travail et du rangement en hauteur. En face, on va créer un nouvel escalier avec des rangements intégrés sous les marches. Ensuite là,
Le plan de cuisson avec four, plaque et haute aspirante, bien sûr. Juste en face, un réfrigérateur. Et on revient de ce côté avec de nouveau des rangements, donc des tiroirs, certainement un casserolier. Ensuite, juste à côté, l'évier avec des rangements sous l'évier, bien sûr. Un lave-vaisselle. Et voilà, on a terminé pour la cuisine. Ensuite, juste après, on a mis un emplacement avec cette croix qui représente un poêle. Alors, on ne sait pas encore si on va mettre un poêle à bois, un poêle à granules ou encore autre chose. En tout cas, on lui a laissé un emplacement. Ensuite, en face, on a de quoi prendre le repas grâce à ces deux tabourets modulables. La table, j'ai mis bar aussi parce que ce sera aussi un bar. Tout ça, ce sera modulable. Tu le verras prochainement. Ensuite, en face, il y aura une banquette, lit, canapé. Pareil, modulable, de quoi prendre le repas et aussi ajouter un couchage supplémentaire dans le bus. Et enfin, le lit king size, les amis, comme le King James. Donc là, tout le fond, en fait, ça va être un lit de 2 mètres et des poussières avec des rangements, une télé escamotable, etc., etc. Je vais pas spoiler le reste des vidéos, donc ça, tu le verras par la suite. Mais en tout cas, il va y avoir un couchage sur toute la partie du fond du bus. Voilà, on arrive à la fin, et là, cette fois, on va faire la même chose à l'étage, les amis. Bon ben c'est fini pour le marquage au sol. Alors comme tu peux le voir à ma droite, tu as la salle de bain. Donc on entrera dans la salle de bain comme ça. Ensuite, petit WC suspendu là pour le popo et le pipi. Juste devant, il y aura une double vasque. Donc j'ai noté lavabo. Voilà. Ensuite à droite, dans cette partie là, ce sera la baignoire avec vue vers le ciel, les amis. Bon, ça, ce sera dans un autre épisode. Ensuite, là, on arrive dans un couloir, donc cage d'escalier ici. Et là, à ta droite, il y aura des rangements que je n'ai pas matérialisés parce que je ne sais pas encore quelle profondeur je vais utiliser. Ensuite, là, on entre dans la première chambre, la chambre de ma fille. Les chambres vont être en enfilade pour justement économiser de la place, optimiser. Ici, son petit bureau escamotable, donc il sera contre le mur, ce sera des étagères contre le mur et on pourra le tirer et ce sera son petit bureau. Voilà. Juste là, à ma gauche, il y aura son canapé lit, c'est ce qu'elle désirait. Elle voulait à la fois un canapé et un lit, donc elle aura un convertible ici. Voilà, ensuite elle aura tout là d'un espace de jeu. Ensuite ici, elle aura de ce côté-là sa penderie. De l'autre côté de la penderie, donc la penderie de son frère, parce qu'à partir de là, on entre dans la chambre de son frère. Ici, pareil, il aura un bureau escamotable, donc là à ma gauche. Donc là, il est déplié, hein, quand il sera plié, vous imaginez qu'il ce sera des étagères ici. Et hop, dès qu'on le déplie, ça va nous faire un bureau. Ensuite, j'avance encore un peu, et là, le final, j'arrive dans son lit. Lui, il voulait un grand lit au fond, avec une vue ici et là. Donc voilà les copains et les copines, marquage au sol terminé! Bon les copains et les copines, après le croquis, le plan papier au propre, le ruban adhésif, histoire de voir ce que ça pouvait donner en réel dans le bus, je pense qu'il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Non, il est venu le temps de faire un plan 3D. Alors j'en ai besoin déjà pour l'escalier, pour recréer un escalier, pour avoir plus de rangement côté cuisine. Donc, ben, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur un logiciel qui me paraît le plus adapté, qui s'appelle SketchUp. Donc je vais recréer l'escalier, j'espère que je vais y arriver. Si ça se passe bien et que j'y arrive,
Bah, je pense que je referai tout le bus, voilà. Histoire d'avoir tous les deux étages avec tout le mobilier, tous les détails, ça nous aidera à nous projeter, puis je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je vais m'y mettre maintenant. Allez! Ah, j'en ai marre là. Putain, j'ai perdu la journée pour faire deux marches quoi, c'est un truc de malade. Non, j'y arriverai jamais là. Comment je vais faire? Ah! Mais je vais appeler mon pote Nico! C'est le meilleur en 3D. Alors Nico. Ouais? Ouais, salut Nico! Ça va depuis le temps? Je te dérange pas? Ouais, je suis au taf là, je suis sur un gros dossier. Je te rappelle plus tard, ok? Non, raccroche pas! Je suis dans une galère, mon pote, franchement, je me suis lancé dans un truc en 3D et là je suis en train de m'arracher les cheveux, c'est un truc de malade. Je pensais que ça allait être plus simple que ça et. L'ordi plante et tout, j'en peux plus. Ouais? Et alors? Faut que tu m'aides! Faut que tu m'aides, mon pote! Faut que tu me sortes de cette galère, s'il te plaît. Ouais, mais. Je gagne quoi dans l'histoire, non? En échange, je te paye un voyage à Tulum, au Mexique. Ça te plairait, ça, hein? Deal? Ok, deal. Et pour info, cette bière est sans alcool. Yeah! Je savais que je pouvais compter sur toi, mon frérot. Bah écoute, passe à la maison, voir mon nouveau projet, et puis. Et puis voilà, à tout à l'heure. Bon là, on est en train de vivre un moment très 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 important. Chaque millimètre compte. Tous les millimètres. Obligé, pas d'erreur. Bon, si tu le connais pas encore, il s'appelle Nico. C'est un spécialiste de la 3D. C'est ça, exactement. Dis pas dans le domaine de la 3D, infographie 3D, exactement. Et donc du coup, là, il va nous modéliser tout le bus intérieur-extérieur. Quoique extérieur, t'as déjà trouvé un bon truc. Ah ouais, ça, on est pas mal. On est pas mal, hein? Ouais, non, vraiment, pratiquement exactement le même bus. Ouais, pratiquement donc, identique. Pas trop de changements à faire. Après, c'est à l'intérieur où il faut un peu modifier les côtes. Et ouais. L'aménagement, surtout. Ouais, avec madame aussi. Oui, madame, elle nous regarde du fond là-bas en mode... attention, je check. Attention ce que vous dites, attention ce que vous dites là-bas. Ah, mais attends, mais ils sont plusieurs. Alors, on se fait ce contrôle ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Nico? Vas-y. Alors là, tu vois, mon PC, il s'est dit le projet, il est tellement ouf que je vais plutôt me casser, je reviendrai plus tard. Il redémarre, peut-être qu'il va. Il s'est dit, bon, allez, on va shut tenter. Down. Il a vu le bus, il a fait tu. Fin du projet. Il y a trop de taf là, mon gars, je vais me rire. Bon, ça va, il s'est dit, c'est bon, je reprends le projet. On va pas t'abandonner comme ça. C'est bon, il a redémarré? Ouais. Bon, là, on est vraiment pas mal hein, pour le coup. Hein. La ressemblance est quasi parfaite. Ah, on est bien. Okay. Et l'intérieur, tu penses quoi? Eh ben, on va checker ça. Hein. Ah ouais. Ah, du coup, ça me rappelle des souvenirs. Ça me les rappelle. Débuts de la galère. Ouais. Ça me rappelle quand il y avait tous les sièges. Bon, écoute, ça ira très bien, je pense. Qu'est-ce qu'on en pense, toi? Ah non, on va partir sur de bonnes bases. On va faire ça bien. C'est génial. On va aménager ça comme il faut. Ça va être ça top. Va être perfect. Bon, impatient de voir ça. Voilà. Énorme. Toi, tu parleras pas. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, like à fond et partage. Et partage avec plaisir. Surtout, abonne-toi. Et putain, hop, tu le vois. Bon, les copains et les copines, cet épisode est maintenant terminé. Moi, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu peux voir un peu
dans quoi on va vivre et qu'est-ce qu'on va y mettre. Voilà, dans les prochains épisodes, bah forcément, on va continuer de déshabiller un peu le bus et l'implantation électrique et tout ça. Bon, je vais pas spoiler la suite. Donc voilà, si ça t'a plu, bah tu nous mets un pouce bleu, ça nous encourage. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu sauras à quel moment il y a un nouvel épisode qui arrive. Et sur ce, on te dit... à plus. In the bus. Go, 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 go. Alors Nico, on est pas bien à Touloum? Ouais, pas mal. Mais je t'avoue que je t'ai mis au bureau. Oh, tu vas t'habituer.